Et voilà, il est 9h15, un peu de retard pour cette revue de presse, mais vous allez voir, elle est extrêmement riche, j'espère que vous allez bien. C'est la revue de presse du Monde Moderne, c'est tous les matins, ou presque, à 9h, ou presque, et pour parler de la presse, ou presque, du variant Omicron, après Delta, après Beta. Alors, vous savez, ce variant, ils l'ont pas appelé Xi, pour pas fâcher le président chinois, ni nous, parce que ça faisait new en anglais. Et donc, ils se sont dit, bah, tiens, bah, on va l'appeler Omicron, puisque c'est un œil, c'est l'œil des Phéniciens. Comme c'est la société de vigilance qui s'installe à bas bruit avec ce virus, vous allez voir, on va évidemment, malheureusement, en parler ce matin. Alors, ça commence sérieusement à faire chier tout le monde, y compris les dirigeants qui commencent à se dire, bon les gars, c'était cool, hein, on les a bien pris pour des cons, mais est-ce que des fois, on n'arrêterait pas? Parce que Joe Biden s'est fait prendre en photo, en train de faire ses courses de Noël sans son masque. Joe, fais un effort. On a vu évidemment le Ballon d'Or hier, pas de masque non plus, pas vraiment hein, pour les champions du foot. Alors la REM, si, hein, ils ont bien montré qu'ils mettaient le masque parce qu'il faut montrer qu'ils font bien attention, bien de rien. Mais sinon, c'était n'importe quoi. Et donc même Biden a dit, bon, on se calme, hein, on se calme. Sur ce variant, on sait pas trop ce qui va se passer. En tout cas, le train de la hype approche déjà. Merci, l'auteur qui vient d'offrir 5 abonnements, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, le Turg, TDPAT qui s'est abonné également. Vous pouvez vous abonner dès à présent sur Twitch avec un abonnement Prime ou autre. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci Dila pour avoir pris cet abonnement. Et puis, vous pouvez bien sûr, partagez dès à présent le lien de ce stream, soit sur vos chaînes Twitch, sur vos réseaux préférés, sur YouTube et ailleurs, pour dire que ça y est, c'est la revue de presse du Monde Moderne et elle commence. Et Omicron, oui, si vous ne le savez pas, c'est un film de science-fiction italien des années 60 où Omicron est un extraterrestre qui prend la forme d'un ouvrier métallurgiste dans le sud de l'Italie. Et son but, eh bien, c'est de coloniser l'espèce humaine à partir de cette prise de corps humain. Voilà, ça s'appelle Omicron. C'est un. Je sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas vu, mais il y a une fiche Wikipédia. Et puis on va parler de Myriad aussi, si vous ne connaissez pas. C'est le plan de l'armée française du warfare, de cyberguerre, de la psy-war, en fait, la guerre de la psyché, la guerre cognitive, comme on l'appelle, c'est-à-dire comment hacker les cerveaux, utiliser les petites failles dans les cerveaux, notamment hein, le biais de confirmation, notamment évidemment la peur permanente. Vous allez voir, il y a l'avis d'un psychologue hein, dans Le Parisien qui explique, ouh là là, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Attention. Est-ce que je peux monter mon son? Oui, je peux monter mon son s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. Voilà. Est-ce que ça c'est bon? Normalement, là, le son il est nickel. Alors, et l'image aussi d'ailleurs, hein, puisque c'est à Dijon que j'ai le meilleur réseau. C'est incroyable. Je peux vous faire de l'ASMR. Spécial misophonie. Buvage de café. Attention. Variant. Omicron, Jean Cluster, Castex. Allez, on commence tout de suite avec le canard. Nanar, vous le connaissez tous, c'est le Parisien aujourd'hui en France. Et alors aujourd'hui, Nanar, il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait peur aux Français ou on les rassure? Eh bien, il a fait les deux. Alors d'un côté, il a fait la une du Parisien avec un ballon d'or à Paris, hein, Messi qui a de nouveau le ballon d'or. Alors il est au PSG presque, hein, lui aussi, parce qu'il est en évaluation encore au PSG. Et puis il s'est dit, puis pour les Français, on va quand même leur faire peur. Hein. Comment faire face à la menace? Donc voilà, donc vous avez bah, voilà, le choix, hein. Soit ballon d'or, soit la menace. Hein. C'est comment vous sentez la une aujourd'hui chez Nanar. Alors lui, il a pas su faire la part des choses, donc il s'est dit, on va faire les deux, et puis ils se démerderont avec ce que je leur propose. Nous, on va parler évidemment de faire face à la menace. Mais après, l'intérieur du journal elle-même, sauf les pages locales, évidemment, le Parisien parle de Paris. Aujourd'hui en France, parle de la localité où vous allez vous trouver. Voilà, mais je trouvais ça marrant de voir. C'est assez rare quand ils font des unes comme ça, décalées, particulièrement aussi décalées. On voit bien que là, l'idée, c'est de faire peur à la France. Hein, alors que les Parisiens, bon, ça y est, Omicron, oui, de toute façon, moi j'ai ma 8e dose. Hein, moi, de toute façon, mon masque, ça fait 8 heures que je dors avec, donc ça va, c'est bon. Et puis, on n'en a un peu plus rien à foutre, faut dire.
C'est d'ailleurs ce qui les emmerde. Hein. On commence vraiment à en avoir plus rien à foutre. Et ils disent, non, mais attendez, attendez, il y a la troisième dose, attendez, déconnez pas, il y a la troisième dose. Ça marche peut-être. Ah oui, parce que, vous savez, ce qui est génial, c'est que là, on a donc Yazdapana, hein, qui est le chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, qu'on entend sur tous les médias. Alors lui dit, le vaccin a probablement une efficacité diminuée, mais qui persiste. Donc on est dans le presque, on est dans le probable, on est dans le peut-être, on est dans le... Pourquoi pas? Ça peut pas faire de mal. Hein. Il m'en reste un. Je vous en remets un peu. Hein. Je vous en remets un peu, ça ira. Oui, pas de problème. Les bureaux de vote en EHPAD. Alors, attention, c'était un projet. Ils n'ont pas été faits. Je vais vous me poser la question. Le groupe Corian qui s'est mis à me suivre sur Twitter. Ils se sont dit, ouh là là, attention, c'est qui lui? Merde. Avait pour projet, effectivement, de faciliter le vote, hein, de ses résidents. Je suis en train de visiter des EHPAD là, en ce moment, pour voir à quoi ça ressemble. C'est pas si pire, hein. C'est terrible, mais c'est pas si pire, on va dire. En tout cas, là, sur ce qui est du pass sanitaire, qui protège presque, du vaccin, qui probablement a une efficacité diminuée, de ce virus dont on ne sait encore quasiment rien, et ça, ils le disent tous, hein. Oui, alors c'est vrai, le virus, il est nouveau, en même temps, est-ce qu'il est plus dangereux? Donc là, c'est le moment où les mecs ont dit, y compris Joe Biden, bon, les gars, ça va... On les a bien pris pour... On va arrêter, hein, on va se calmer. Là, il y a Noël qui arrive, c'est Thanksgiving, tout ça. Donc voilà, SOS Group, attention, qu'est-ce qui se passe? Claire Duplat. Ouais, c'est chaud, les taffes en EHPAD, j'aurais du mal. Donc oui, il y a une doxa, effectivement, vaccinale. Enfin, on est enfermé dans une sorte de jour sans fin où les nouveaux variants vont arriver, les vaccins vont être moins efficaces, donc il va falloir vacciner. Alors, heureusement, hein, Pfizer, ils sont bons, Pfizer, parce qu'ils sont en train à la fois de préparer donc, une nouvelle mixture pour Omicron, on ne sait jamais, ça prendra une centaine de jours, hein, c'est ce qu'ils avaient dit dans les contrats. Et en même temps, ils ont lancé en octobre un site qui s'appelle j'écoutemoncoeur.fr, un site pour mettre en avant la fibrillation atriale, c'est-à-dire c'est un petit problème de cœur, hein, qui arrive normalement avec l'âge et qui fait qu'on peut faire des AVC. Donc c'est sympa, Pfizer, il s'occupe vraiment de tout, de la chaîne du froid, de A à Z. Hein. Donc c'est vraiment bien foutu, ils aiment bien s'occuper de notre santé, c'est ce qu'on demande d'un labo d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Je sais qu'il y a 5 abonnements qui ont été offerts, vous êtes 206 abonnés. Donc, c'est génial. Voilà, on a passé le cap des 200 abonnés sur cette chaîne. Je suis très heureux et je vous en remercie. Donc, voilà, le vaccin a probablement une efficacité diminuée, mais c'est pas grave. On nous dit que la troisième dose, ça peut être pas mal. Alors, écoutez, là, quand même, la phrase, elle est incroyable. C'est dans Le Parisien. En attendant, tous les regards se portent sur la troisième dose. L'espoir. Alors, je ne sais pas si c'est un espoir, moi je pense que c'est plutôt le ras-le-cul en fait, hein, mais bon, c'est l'espoir. C'est qu'elle nous donne un très fort taux d'anticorps neutralisant, hein, suffisant pour résister encore à Omicron. Au moins suffisamment de temps pour voir arriver les vaccins. Alors je dis, mais attends, ça veut dire que ce n'est pas des vaccins en ce moment? Parce que je ne comprends pas. Suffisamment de temps pour voir arriver les vaccins. Alors, le mec qui dit ça, quand même, c'est Claude-Alexandre Gustave, biologiste médical. Donc, est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il voulait dire, mais attends, c'est-à-dire que les vaccins sont... On attend un vrai vaccin? Ou comment on fait, là, Claude-Alexandre? Qu'est-ce qui se passe? Je vais lui demander, je vais essayer de le retrouver, et dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette phrase? Parce qu'elle m'a choqué ce matin dans Le Parisien. C'est-à-dire que là, un petit coup de rab pour passer l'hiver, hein, ça fera 15 jours de face à Omicron, on ne sait jamais. Puis après, on verra quand les vaccins arrivent. Je crois qu'on les a perdus. Honnêtement, moi, j'en ai vraiment ras le bol, mais à un point, mais j'imagine que vous aussi, d'ailleurs. Et là, je pense qu'on a perdu à peu près 80% des mecs. Hein. Entre ceux qui pensaient bien faire, qui avaient leur passe, qui étaient double dosés, qui se disaient, voilà. Puis là, ils se disent, quoi? Trois doses. Puis là, on apprend que, oh bah, quoi, une quatrième parce qu'Omicron arrive? Alors, en plus, vous savez que, donc nous, on est passé du rappel vaccinal de 6 à 5 mois. Et les Anglais, ils ont fait plus fort encore. Ils se sont dit, non, on va passer de 6 à 3 mois sur aucune base scientifique. Tout est dans le domaine du presque et du qui a le meilleur VRP, en fait, de vente de seringues et de vente de potions. C'est exceptionnel. Mais alors ça, le coup de dire que, voilà, on a l'espoir que la troisième dose donne un très fort taux d'anticorps neutralisant
pour 15 jours, hein, puisque les études se basent sur ça, hein. Pour pouvoir voir arriver les vaccins, j'ai été quand même là. Alors après, il dit, voilà, pour renforcer la protection de la population face à ce variant, voilà, les scientifiques anglais donc disent, allez, tous les adultes prendre ça, hein, et pas seulement les plus de 40 ans, c'est ce qu'on fait nous aussi. Aucune base scientifique, là encore, l'OMS, c'est même pas ce qui se passe. Donc tout le monde se regarde un peu en disant, mais t'es sûr, là tu... Ouais, mais c'est presque, je suis presque sûr. Honnêtement, je suis presque sûr. Donc c'est sûr que ceux qui n'ont pas commencé leur schéma vaccinal, alors que bon là on a quand même des gens qui sont en train de dire il faut vacciner toute la planète, bon, bon courage hein, quand même, la majorité des humains sont non vaccinés aujourd'hui hein, quand même, il faut le rappeler. Hein. Et quand tu regardes les taux de mortalité, on n'est pas non plus sur des trucs de dingue. Et encore une fois, Omicron, tous les scientifiques qui l'ont séquencé en Afrique du Sud ont dit on n'a pas vu non plus d'explosion de la mortalité. Voilà, donc juste le truc a muté, apparemment ce serait devenu un virus... comment t'appelles ça quand t'as une maladie chronique, voilà, puisque c'était des immunodéprimés qui l'auraient un peu fait muter en leur sein. Donc ça devient n'importe quand. Après, la question qui fait peur, où est réellement né ce mutant, hein, t'as l'impression que t'es dans X-Men déjà, donc tu dis bon ben je sais pas, est-ce qu'il est né quelque part? Être né quelque part, c'est vraiment un hasard, hein, nous disait le chanteur. Et donc est-ce que c'était sur les trottoirs de Manille, de Rio ou de je sais pas où. Alors je sais pas ce que j'ai ce matin, je n'arrive pas à faire bouger mes petites images. Voilà, c'est la galère, c'est la grosse galère, et je sais pas pourquoi. C'est juste insupportable. Donc il faut que je trouve la solution à ce problème, vous voyez. Donc là, je suis emmerdé, donc je fais disparaître. Voilà. Donc où est né ce mutant? Eh bien, on ne sait pas vraiment. En fait, l'Afrique du Sud l'a séquencé et ils ont dit, nous, on fait un super boulot de séquençage. Et qu'est-ce que vous faites, vous? Vous nous fermez les frontières? Vous nous montrez du doigt comme quoi on est tout sale, on est tout plein de virus? Eh bien, puisque c'est ça, le prochain variant, on le garde pour nous. Et ils ont peur. Et l'OMS a peur en disant, non, mais si vous faites ça... Les mecs qui vont séquencer des nouveaux virus, ils vont pas le dire, parce qu'ils vont s'en prendre plein la gueule, donc ils vont juste se taire. Donc voilà, donc on sait pas d'où il vient, mais en même temps on s'en fout, puisque on s'en fout complètement. Mais alors non, on s'en fout pas, parce que regardez, il se propage bien plus vite. Ouais, c'est là, tu vois, le variant Omicron qui va, oh là 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 là, le variant Omicron, il va très très vite. Très très vite. Alors on sait pas s'il est plus dangereux, mais il se propage beaucoup plus vite. Et c'est ça qui fait peur, c'est, et si jamais... Il prenait le dessus sur le Delta, qu'on connaît bien maintenant. C'est un ami. Le Delta, il arrive, on a toujours un truc à lui faire manger. À Noël, il sera peut-être sur le balcon avec papy-mamie. On ne sait pas, il faut faire attention quand même. Même s'ils ont 3 doses, hein, puisque bon, là, il y a quand même des doubles dosés qui tombent malades comme des mouches. Donc, il faut faire vraiment attention. Et là, donc, on va nous dire, si jamais le Omicron prend le dessus sur le Delta, qu'est-ce qui va passer? Puisqu'il faut attendre 100 jours avant d'avoir un nouveau vaccin. Eh les gars, vous savez qu'il y a des traitements apparemment, il y a quelques études quand même hein, qui commencent à dire qu'il y a des traitements pas chers qui marcheraient quand même pour éviter les hospitalisations. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, apparemment les mecs sont dans un truc, tu vois. Non, du coup, quand tu me parles de traitement, il y a un vaccin. Oui, mais enfin, presque. Ouais bébé, bon bah oui. Bah, entre presque traitement et presque vaccin, moi, j'ai envie de dire, on a qu'à essayer tout. Et puis, avant Noël, évidemment, hein, vous savez, j'avais fait le sketch de Noël, j'en ferai d'autres, évidemment, l'inquiétude grandit. Qu'est-ce qui se passe, hein? Le variant sud-africain, alors, ils remettent quand même un sud-africain, des fois, faudrait pas déconner, faudrait pas dire qu'il vient d'Amsterdam ou quoi. Et donc là, avant Noël, l'inquiétude grandit, la 5e vague, et les pays replongent dans la peur. Alors, c'est oui et non. Le Parisien a quelques témoignages de gens devant une tente de tests et de vaccination, parce qu'on a remis les barnums, hein, faut pas déconner. Et donc là, c'est plutôt le ras-le-bol, hein, en disant, par exemple, je suis persuadé que même 3 doses ne permettront pas d'en sortir. Amélie, 29 ans, non vaccinée, qui se fait tester, qui en a vraiment ras-le-bol en disant « si j'avais su ». Parce qu'Amélie, il faut savoir qu'elle s'est remise d'une leucémie, donc elle s'est battue contre son cancer. Et elle me dit « j'ai pas envie, je sais pas trop ce que ça peut faire, ce vaccin, elle a pas envie, sachant affaiblie, de se remettre là-dedans ». Et elle se dit « si j'avais su, eh ben putain, c'est quand même assez dingue ». Et puis d'autres se disent un peu plus loin dans la file, Jean attend le test qui doit permettre à sa fille de retourner en classe. S'il est négatif, lui a décidé d'arrêter de se poser des questions. Je subis. Si on me demande de faire une 3e dose, j'y vais. J'ai arrêté de suivre l'actualité. Les protocoles changent sans arrêt. Les choses évoluent tous les jours. Comment voulez-vous avoir une opinion ?
tout juste, glisse-t-il, qu'il n'est pas angoissé en dévoilant la preuve de sa foi en l'avenir. Sa compagne vient de mettre au monde leur troisième enfant. Voilà, donc les gens subissent, et c'est vraiment ce qu'ils veulent. Il y a derrière cette formidable... C'est une expérience, un ciel ouvert. Le fait de voir la résilience, de voir comment on peut manipuler une population, comment on peut lui faire perdre la confiance, perdre le fil, puisque les gens ne savent plus s'il faut marcher à cloche-pied les jours pairs, les jours impairs, s'il faut se boucher le nez face à un masqué, si on est non masqué, vacciné, et on a le droit quand même de manger du foie gras. Alors non, pas à Strasbourg, hein. Si on peut... Enfin, voilà. En gros... Techniquement, si vous voulez garder les points de santé mentale qui vous restent, pour les rôlistes qui nous regardent, il suffit de regarder la revue de presse tous les matins, puisqu'on est en train de simplement de dire « c'est pas grave, hein, c'est, ils sont fous, mais c'est pas grave, ça va passer ». Alors on subit, il faut éviter de subir, on peut se moquer hein, de ce moment qui est ridicule, et il faut le marteler, c'est ridicule. Voilà, on est tombé dans une folie totalement disproportionnée par rapport à ce qu'est maintenant cette pandémie qu'on connaît. Hein. On a des outils, on est capable de comprendre. Je vois la connerie qui sort du variant Omicron, j'espère, alors peut-être je suis seul, hein, que ça va sonner le réveil général en disant « bon écoutez, ça va, vos conneries, j'en ai plus rien à foutre, quoi. C'est bon ». Mais on en est loin. J'ai peur qu'on en soit loin. Les gens se sont habitués hein, à la picouse et ils se disent « oh là là, c'est quand même bien, qu'est-ce que c'était bien ». Et puis, voilà cet avis de Michel Lejoyeux, qui est un psy, qui explique en fait que, attention, ces phases de stress ne sont pas là du tout pour nous renforcer. Au contraire, elles vont petit à petit rendre encore plus fébriles les humains. Lui, il est professeur de psychiatrie et d'addictologie à Paris 7. Alors, l'addictologie, c'est la dose, hein. Vite ma quatrième dose. Vous avez même une campagne pour offrir la troisième dose hein, à vos parents et grands-parents, si vous ne savez pas quoi faire. Oh. Donc, pourquoi le pessimisme a-t-il pris le dessus ? Avant le début de la pandémie, on était dans le sentiment de santé qui comporte toujours une part de déni. Quand on est malade ou qu'on ressent la maladie ou la faiblesse autour de soi, on ne peut plus fonctionner dans cet état de déni. Ça a l'avantage de rendre vigilant. Donc voilà, ceux qui ont connu le Covid de près, effectivement, peuvent être vigilants. Alors, il y en a qui l'ont eu hein, de manière bénigne, c'est mon cas, peut-être vous aussi. Et tu te dis, bah... Tout ça pour ça. Puis il y en a qui se retrouvent à l'hôpital et qui disent « j'ai pas compris, j'ai un ami qui est à l'hôpital, la cinquantaine, sportif, voilà, sous oxygène, il a pas compris ». Donc c'est vraiment une loterie, donc je nie pas le fait que ce virus existe et qu'il est surprenant. Après, voilà, le côté « on en rajoute, on en fait des caisses, oh là là, attention, mettez bien votre masque et les... » qui dit les 8 doses et machin, et attention les enfants, si vous vivez avec des enfants, c'est ultra dangereux. Je pense que là, ça rend fou. C'est la ligne qu'il faut tracer entre je suis prudent, je fais attention aux autres, et je ne suis pas fou. Voilà. Et donc, il explique, cette accumulation peut-elle inciter à baisser les bras ? Bah, quand on est à se dire à quoi bon, il faut s'interroger pour savoir si la pandémie n'a pas créé un état de dépression. Oui, je sais que certains d'entre vous sont très déprimés, me disent merci, se demandent comment on va en sortir, commencent à perdre espoir en fait de voir une sortie de crise. Et pourtant, tout est passager. Hein. Même les dieux égyptiens ont trouvé leur fin. C'est juste, ça se transforme, ça met du temps. Voilà, bon, il n'y a rien qui dure. Donc même ce moment-là, on va en voir la fin. Et j'espère que ce sera une libération et que ce sera plutôt joyeux à ce moment-là. C'est pas gagné, parce qu'on est quand même en train d'aller dans une société vraiment ultra pourrie. Hein. Vous allez voir, on parlera après de la pornographie chez les plus jeunes, c'est scandaleux. Je ne sais pas, mais gardons espoir les amis. Les signes qui sont les signes de la dépression, c'est la perte d'envie, le sentiment de culpabilité, la perte d'estime de soi ou la perte d'énergie. Bon, alors ici, voilà, on garde la pêche, hein, gardons la pêche, on est les meilleurs. Voilà, je vous le dis, vous êtes les meilleurs. Ayons envie de prendre des fourches et de biner de manière bioraisonnée hein, des patates et d'autres choses dans nos jardins. Et puis, comment ne pas se laisser submerger, pose la question le Parisien à Michel Lejoyeux. Alors, un nom chouette, hein, il s'appelle Michel Lejoyeux, il ne s'appelle pas Michel le pessimiste ou Michel le fataliste. Elle dit, bah, il faut trouver un équilibre. Hein. Alors c'est compliqué entre l'absence d'information qui est dangereuse et l'hyperinformation qui finit par être toxique. Bah, je trouve que là,
voyez, dans cet exercice de la revue de presse quotidienne, on est pile poil dans cet équilibre. C'est-à-dire qu'on a suffisamment d'informations et qu'on s'en moque suffisamment pour pas se plinguer, quoi. Merci Aïcha, PDV, 2 mois d'abonnement, ça c'est la famille. Et merci à tous qui êtes là. Et puis il y a bien sûr les gens qui tombent avec le vaccin ou les gens qui meurent malgré la double vaccination. C'est le cas de ce rugbyman, hein, double vacciné, père d'un jeune enfant de 10 ans, qui est mort du Covid. Donc ça ne protège pas non plus des formes graves, presque, on va dire. Et puis on a vu effectivement ce tennisman français qui a regretté la vaccination, disant que sa carrière était foutue, qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il pourrait reprendre l'entraînement. Et puis on a vu ces nombreux sportifs tomber les uns après les autres. Des jeunes aussi dans une cour de récré, 15 ans, terrassés par un AVC. Alors, sans séquelles, heureusement, mais beaucoup de questions qui restent en suspens et qui sont niées par la plupart, malheureusement, des médias. Mais attention, entre l'hyperinformation, la sous-information, 106 sportifs qui tombent, on ne sait pas si tous étaient doublement vaccinés, on n'a pas vraiment toutes les données. N'empêche, on voit bien qu'il y a un truc qui cloche et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas tomber dans la folie. Et pas tomber non plus dans les théories du chaos. Parce qu'il y a des mecs qui ont dit « Ah là, vous avez vu, c'est marrant quand même, le premier... » Là, j'ai dit, putain, les mecs sont super forts. Parce qu'en fait, la théorie du complot, c'est souvent des mecs qui ont une imagination débordante qui parfois, trouvent écho dans le réel. C'est ça qui est génial. Donc, le premier, c'était Delta. Delta, variant Delta. Et le deuxième, c'est Omicron, l'œil. Et qu'est-ce que c'est un œil dans un Delta, hein, nous disent les conspis. Mais c'est les Illuminati. C'est la marque des Illuminati. Voilà, donc bon, alors j'ai trouvé ça très drôle, très bien ficelé. Et du coup, oui, tu dis, oh ouais, mais putain, c'est vrai, putain, c'est génial. Non, en fait, c'est juste que tu regardes toutes les lettres de l'alphabet grec, tu peux faire des symboles, hein, donc c'est des symboles à la base. Donc évidemment, tu t'en mets un avec un autre, tu trouves un truc, mais je trouve ça assez génial. J'applaudis des deux mains. Alors, il y a quand même, vous rappelez du procès qui avait été fait à Jean-Luc Mélenchon qui disait attention, lors des périodes d'élection, il y a souvent, malheureusement, des événements terroristes qui peuvent arriver. Et toute la classe politique ou médiatique lui est tombée sur la gueule en le traitant de Jean-Luc Conspi. Là, t'as un mec, un élu, très au fait des sujets régaliens, qui imagine le pire auprès du Parisien. Alors lui, il reste un élu très au fait des sujets régaliens, qui veut rester anonyme sans doute, et qui sort quand même. Hein. Le risque terroriste reste très élevé. Ils peuvent vouloir déstabiliser le pays avec un attentat dans une crèche à quelques jours de l'élection. Alors lui, il va encore plus loin que Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il donne le scénario. Hein. Ce serait pas mal s'il pouvait faire une petite attaque dans une crèche ou une école maternelle, un truc bien crade. Hein. Et qui est ce mec qu'on lui tombe dessus à bras raccourcis en disant que c'est un putain de conspi? Qui est-il? Voilà, alors... c'est sans doute quelqu'un proche du président, évidemment, puisqu'ils sont en train de faire des scénarios, les macronistes. Hein. Ils savent que l'élection n'est pas gagnée, même si tous les fans du président, puisque c'est le meilleur président que la France ait jamais connu, sont sûrs qu'il va être réélu. Macron dit, non, c'est jamais gagné. Et il le sait, comptable de tout, jamais président sortant n'a été réélu dans l'histoire de la 5e République, hors cohabitation. Macron aimerait bien réussir cette première, excès de confiance interdit. Donc voilà, donc t'as un mec qui est en train de te sortir un scénario d'attentat dans une crèche, tranquillou. Hein. Alors, il sort pas son nom pour qu'on lui tombe pas sur la gueule, mais quand même, rappelez-vous la merde que s'était pris Jean-Luc Mélenchon pour avoir dit, à pas ça, simplement que, les périodes d'élection sont des périodes de déstabilisation où les terroristes peuvent profiter des brèches. Voilà. Ça, vous avez les cellules d'extrême droite aussi qui sont là, qui viennent d'être démantelées, vous avez... Enfin bref, c'est le bordel. Notre petit pays est dans un espèce de bordel. Et regardez qui c'est. Coucou. Oh, c'est le monsieur de la mutuelle Télé-Bretagne. C'est Richard Ferrand. C'est l'homme du président. C'est Richard Ferrand. C'est l'homme qui a toute la confiance du président. Alors attention, c'est pas n'importe qui Richard Ferrand. 23 ans, hein, conseiller régional, général, élu de la République, et maintenant c'est l'homme qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron. Il est en charge, hein. c'est l'architecte, c'est le charpentier de la maison commune, c'est le Joseph en fait de la crèche à Macron. C'est le mec, il est là avec les poutres et tout, il met des clous, tiens, hop. Et hop, c'est la maison commune. Alors c'est un truc, c'est complètement pété. Ils étaient à la mutualité hier soir et Richard Ferrand, dans un élan de générosité, dit « Ouais, vous êtes plus de 3000 ce soir !» Bon, Richard,
La mutualité, c'est 1732 places assises. Je suis allé voir, hein, sur Wikipédia. À l'origine, la salle faisait 1789 places en hommage à 1789, l'année de la Révolution française. Et puis, il y a eu des travaux et on est tombé à 1732 places. Bon, le mec multiplie par deux l'audience. C'est déjà christique, quoi. Tu vois, l'autre multiplie des pains, lui, il multiplie les macronistes, quoi. C'est, bon, vous êtes 3000 ! Voici, il le dit. Ouais, on est 3000, on est 3000. Bon, ils étaient tous masqués pour dire non, on refile pas le variant. Jean Castex, à l'isolement, manquait de la fête, évidemment, c'est dommage, il aurait pu être là. Ouais, c'est une salle classique parisienne. Et donc, voilà, le Jésus de la Macronie, hein, qui marche sur l'eau, Richard Ferrand, qui marche sur l'affaire des mutuelles de Bretagne. Alors, les mutuelles de Bretagne, attention, hein, c'est pas ce qu'on croit. Donc, il aurait, je sais pas si vous connaissez l'affaire en détail, mais. Alors, les faits étaient prescrits, c'est pour ça qu'il n'a pas été condamné. Il a juste détourné l'argent de la mutuelle pour payer une maison à sa femme. Mais tranquille, hein, le truc propre, hein, pas de conflit d'intérêts, rien. Et alors, là, il t'explique quand même, quand les divergences de lignes, machin, lalala, il sert de tampon pour éviter les clashs. L'homme a le profil pour jouer les missions de bons offices. Il est discret, ne court pas les médias, a la prudence de celui qui revient de loin. C'est un homme blessé par ce qu'il a subi au début du quinquennat. Après les accusations dans le dossier des mutuelles de Bretagne, il a mis du temps à se reconstruire. T'es sérieux, là, le macroniste historique, là? Parce que c'est toujours un proche, un macroniste historique, un grognard de la Macronie, machin. Donc, ouais, il a mis du temps à se reconstruire. Tu parles. Les faits étaient prescrits. C'est formidable. Ouais, voilà. Donc ça, c'était la maison commune. C'était hier soir. C'était, voilà, vous êtes 3000. Ils étaient 1700. C'était une ambiance de fête, hein, comme on sait en faire en Macronie, c'est-à-dire ils étaient tous en costume trop petits, avec des petites cravates, tout ça, des masques à faire. Ouais, c'est super. Le truc le plus gênant qu'on a vu en Macronie, c'était allez, 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 c'est Laurent Saint-Martin. C'était Marlène qui faisait chanter une salle pour la candidature au régional, je crois, de Laurent Saint-Martin. Je crois que ça a été le sommet de la gênance en meeting politique. Hein, parce qu'après, le sommet de la gênance s'est atteint quotidiennement, avec Marlène notamment. Hein. Le dernier, c'était « Non, mais moi, j'aime beaucoup Nicolas Hulot. Enfin, j'ai rien fait, je savais pas. Puis je vous emmerde. » Et puis, de toute façon, c'était de la merde, l'enquête de Hebdo. T'as même... Tu regardes la sortie qu'elle fait en disant « Non, mais ça suffit, les journalistes. » T'as même Truchot qui commence à dire « Ça tient pas votre truc, quoi. » Olivier Truchot qui dit à Schiappa « Mais tu dis n'importe quoi, ma pauvre fille. » C'est vous dire le niveau. On est tombé là. C'est le niveau. Il n'y a plus de marche, quoi. T'es loin. T'es au sous-sol. C'est le sous-sol de la République. C'est pas le Panthéon. Hein, c'est le sous-sol de la République. C'est en dessous. C'est pas non plus les catacombes. C'est pas loin. C'est la revue de presse du monde moderne. Vous pouvez vous abonner dès à présent, évidemment, avec Prime, ou autrement nous suivre sur Twitch. C'est toujours bien quand on est suivi. Et puis partagez bien sûr le lien de cette revue de presse un peu partout sur vos réseaux sociaux et hurlez lors des dîners, déjeuners familiaux ou bien simplement au travail ou dans la rue ou n'importe où en fait, et dire combien cette revue de presse vous aide à tenir en temps de Covid, sachant que le variant Omicron vient tout juste d'arriver et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, ce qui va se passer, c'est que ce soir, il y a le dernier débat des candidats de la droite. C'est sur France 2, cette fois-ci. C'est un débat de bonne tenue. Hein. On va parler sans doute de terrorisme, de... Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne peux plus bouger mes petites images. Je pense que c'est... J'ai fait de la merde. J'ai dû appuyer sur une mauvaise touche sur... Je regarderai ça cet après-midi. Donc le débat de la droite, c'est ce soir. Alors, c'est sur France 2. Alors, bon, hein, on a eu c'est des débats de bonne tenue. Hein. Congrès LR, c'est la dernière ligne droite. Zemmour se lance aujourd'hui. Attention, c'est la dernière minute du Parisien. Donc, il y a le débat de la droite, mais il s'est dit, tiens, je vais les bugger une dernière fois. Hein. Bien profond. Fin du faux secret. Éric Zemmour présentera officiellement sa candidature à la présidentielle ce midi dans une vidéo mise sur les réseaux sociaux. Pas de surprise pour le calendrier. Comme nous l'écrivions le 12 novembre, la fenêtre de tir pour se déclarer avait été programmée entre le 25 et le 30 novembre pour coller le plus possible au congrès LR.
sans s'y superposer totalement. C'était extrêmement stratégique. Donc, sa déclaration de candidature est déjà enregistrée. Elle va être donc mise en ligne à midi. Vous allez voir donc petite grenouille faire oh, « Je suis candidat oh, oh, je suis candidat je suis candidat c'est moi !» Et bon, tout le monde s'est un peu barré. Hein. Ils ont dit « Ouais, mais écoute, Eric, ça fait trop longtemps. Tu veux y aller, t'es pas candidat, puis t'es candidat, puis qu'est-ce qui va se passer ?» Donc là, il y va. Donc il espère que les gens vont revenir quand même. Et donc, il va quand même au JT de TF1 ce soir. Voilà. Hein. Parce qu'il ne faudrait pas non plus éviter de lui mettre un tapis rouge. Il faut savoir que Eric Zemmour est la caution pour que Marine Le Pen soit la caution pour que Emmanuel Macron soit réélu. C'est les poupées russes, tu sais. Tout ça pour dire, ah oui, quand même, on va pas. Non, mais tous ces aventuriers en politique, ça suffit. Au moins, Emmanuel Macron, on sait qui c'est. Hein. Ah ouais, c'est le mec qui vient de nulle part, qui est le vide, le néant politique total. La preuve, la maison commune, on sait même pas ce que c'est. Et voilà où on en est, quoi, les amis. C'est d'une tristesse assez terrible. Alors bon, on verra ce qu'il a à dire. Hein. Voilà, Éric Zemmour sort d'une séquence difficile. Hein, et il sera aussi l'invité de l'émission Élysée 2022 sur France 2 le 9 décembre. Faudrait pas non plus qu'on l'oublie. Hein, voilà, donc lui, la vidéo d'annonce de candidature, je vous le dis, c'est un gros spoil. Hein, ça va durer environ 7 minutes. Et ça a été enregistré rue Goujon, dans le 8e arrondissement, en partie. Hein, et puis, il y aura un organigramme de campagne avant le zénith du 5 décembre. Voilà. Donc, il y aura lui, Sarah Knafaux, les jeunes avec Zemmour, les plombiers avec Zemmour, la Katiba du 13 avec Zemmour. Mais voilà, il y aura tout le monde avec Zemmour. Allez, allez, Marlène Schiappa avec Zemmour. Tu sais pas. Donc voilà, ce soir, donc dernier débat du Congrès. Et alors oui, je voulais donc parler de comment ils vont se faire, comment ça se passe. Mais c'est pas là alors. Sur le vote en fait. Non, là ils expliquent juste comment ils vont une dernière fois dire des trucs quoi. Le vote utile, bon, pff, ouais, ok, bon, voilà. Donc l'actu du jour, c'est pas le dernier débat, ça va être la candidature d'Éric Zemmour. Et puis Noël, hein, entre Fantastique Décembre et puis Joyeux Noël, quand même, il y a un monde. Et donc alors, c'était à Bordeaux, je sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, le maire a dit « je veux pas d'arbres morts ». Donc pas de sapin cette année parce que ça coûte quand même 30 000 balles et je préfère faire des cadeaux aux enfants qui en ont besoin. Et tout le monde a dit « quoi, tu veux pas claquer 30 000 balles dans un gros sapin ?» Mais t'es vraiment... Mais tu respectes aucune tradition. Alors du coup, il a dit, bon, écoutez, vous m'avez fait bien chier. Donc aujourd'hui, cette année, pour le Noël, je fais donc un sapin en verre et en acier recyclé. Super écolo, là. Donc là, il peut pas être attaqué sur le... Voilà, c'est du verre et de l'acier recyclé. Putain, c'est génial. Pourquoi pas, hein. Voilà, donc la fin du sapin de Noël illuminé, c'est voilà, Pierre Humic, donc il avait même reçu des menaces de mort hein, suite à ses propos sur le sapin. Noël, ça crispe les gens, hein. C'est quand même, c'est un truc, donc c'est le solstice d'hiver, hein. c'est Yule, c'est une fête païenne à la base hein, sur le retour des lumières, partagée par à peu près toutes les religions. On a mis après, c'est Constantin qui dit allez, et puis le pape Libère qui ont dit tiens, on va faire en sorte que Jésus soit né à peu près à cette date-là, hein, pour pas fâcher les païens. Et alors, mais ça crispe les gens, alors que c'est un message de renouveau, de renaissance, d'amour. Tu vois, le moment où on va dire quand même, allez, c'est quand même difficile, hein, on vit sur une petite planète, dans un écosystème immense dont on ne connaît rien, avec un soleil qui bientôt nous pètera à la gueule dans quelques milliards d'années. Mais bon, toujours est-il que là, Noël, ça crispe les gens, ils sont prêts à envoyer des menaces de mort si jamais ils n'ont pas leur sapin de Noël sur la place de la ville de Bordeaux. Et là, tu dis, putain, c'est vraiment pas gagné. C'est vraiment, vraiment pas gagné. Donc voilà, bon, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est Joyeux Noël. Hein. Joyeux Noël. Et puis, c'est le procès Fillon. C'était, si vous avez vu la petite pub pour cette revue de presse sur les réseaux sociaux, c'était François Fillon dans son casque de pilote de course, puisqu'il aime les voitures qui vont vite. François, c'est un pilote. François, il est d'abord pilote. Son rêve, c'était de piloter ce pays. Et puis, bon, bah, ça s'est pas passé comme ça. Bon, je suis désolé avec les images, là, c'est la merde. Et donc, ils se retrouvent donc en procès, et là, c'est l'appel, et ils ont dit, bon, on va être sympa avec lui, parce que quand même, c'est François Fillon, faudrait pas non plus que ça se passe trop mal.
Et donc, on lui propose tout simplement 5 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Donc, ça veut dire bracelet électronique. Hein. Ça ne veut pas dire que tu feras de la prison, François, ne t'inquiète pas. Et 375 000 euros d'amende. C'est rien compte tenu de ce, ça doit être ce qui se fait par mois hein, dans son cabinet d'affaires. Voilà, sachant que c'était l'emploi fictif de son épouse Pénélope, et il a quand même derrière 10 ans d'inéligibilité. Tout de même, la partie ferme, donc à purger sous bracelet électronique, et puis des peines moins lourdes hein, que celles en première instance, puisqu'il était question de 2 ans ferme en première instance. Voilà, donc là on a dit non, quand même, pourquoi lui? Non, on va être gentil, pas de prison. Petit bracelet comme tous ses copains, hein. Allez, tout ça avec un petit bracelet. Et Pénélope, elle aussi, 375 000 euros d'amende, 2 ans d'inéligibilité et 3 ans de prison avec sursis. Le ministère public a estimé que la fictivité de l'emploi comme assistance parlementaire de Madame Fillon était établie. Alors c'est des mecs qui passent leur temps à faire chier les Français sur la valeur travail, à expliquer qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Et donc c'est quand même les champions de l'emploi fictif. Hein. C'est quand même voilà, c'est des mecs qui ont une carrière. Leur boulot, c'est globalement déjeuner, dîner, faire des coups tordus et puis expliquer aux Français que c'est quand même des gros salauds qui payent pas la dette hein, et qui travaillent pas assez. C'est pas un mauvais job. Moi, je m'y verrais bien, tu vois. Mais pour dire autre chose aux Français en disant vous êtes formidables, vous voyez. Et on va s'occuper des mecs là qui vous disent depuis des années que vous êtes des merdes qui travaillaient pas assez et qui remboursaient pas la dette. Voilà. On va un peu s'occuper d'eux maintenant. Ils sont pas nombreux en plus. On pourra être plusieurs à s'occuper d'eux et vous allez voir, ça va bien se passer. Hein. Ça peut bien se passer pour nous. Pour les pros de l'emploi fictif, c'est plus compliqué. En tout cas, voilà, donc il a été bien, 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 bien établi que Pénélope ne foutait rien et que c'était bien foutu. Alors c'était un système, lui a pas compris, parce qu'à l'époque, tous faisaient ça. C'est pas François Fillon. C'est-à-dire que tous les parlementaires employaient un parent. Femmes, enfants, etc. Puis il y a eu la Haute Autorité de la Transparence à la Vie publique, on a commencé à vouloir moraliser un peu tout ça. Alors ils se sont dit, bah écoute, tiens, tu vas employer le gamin, toi, comme ça, c'est pas moi. Et puis moi, je prendrai ta femme. Et puis voilà. Et donc, l'emploi fictif s'est passé d'un élu à un autre. Et Fillon, lui, il est tombé pensant que c'était normal. Tout le monde faisait ça. Et il n'a pas compris que ça lui tombe sur la gueule. Bah, il n'a pas compris entre-temps qu'il était candidat, que tout le monde dans son camp voulait lui mettre un couteau dans le dos et que Macron était là aussi à la manœuvre, donc avec une belle affaire pour gagner, hein, puisque c'était, c'est ça. C'est l'affaire Fillon qui fait qu'on a un président de la violence depuis 5 ans. Je dis pas que Fillon aurait été moins violent, je sais pas, mais sans doute moins, je pense, parce que Macron est vraiment sans foi ni loi, quoi. Moi, Fillon, tu vois, il a des passions dans la vie. Il aime la voiture de course, il aime l'argent, voilà, des choses simples, hein. Bon, bah voilà. Donc voilà, c'était bien une initiative, une entreprise de détournement de fonds publics. Salut François, salut, salut, salut François, salut ami. Et c'est qui ça? Ben c'est celui qui était en couverture. T'as le variant Omicron, puis t'avais Lionel Messi. Il fallait choisir sa couverture. Hein. Donc c'est Lionel Messi qui est ballon d'or. Hein. Alors c'est pas la boule à neige d'Albert Bourla qu'il a dans les mains. Hein. C'est bien un ballon en or. Du coup, le trophée porte bien son nom. Du coup, c'est un vrai ballon d'or. Et Jean-Noël Guérini, bien sûr, qui reste sénateur. Ouais, parce que attends, toi, t'es caissière. T'as le malheur de donner un croissant à quelqu'un qui a faim, t'es viré direct. Hein. Toi, t'es sénateur. Bon, t'as un peu tapé dans la caisse. Oui, mais non, mais vous savez, c'est quand même. Parce que après, sinon, on va utiliser la justice pour qu'il n'y ait plus d'hommes politiques. Donc, c'est pas normal, vous voyez, vous comprenez? Non, non, je ne comprends pas, en fait, monsieur. Je ne comprends pas. Excusez-moi, mais peut-être je comprends pas bien, mais. Donc ça, c'est Lionel Messi qui est Ballon d'Or pour la 7e fois, je crois. On va compter. 2009, 2010, super coupe de cheveux. 2011, 2012, 2015, 2019. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait de ces Ballons d'Or. Peut-être qu'il est dans, du coup, c'est dans ses chiottes, il n'y a que des ballons d'or, où il a un meuble avec tous ses ballons d'or, ou alors à chaque fois c'est le même ballon d'or, il revient avec, il dit écoute Lionel, tu peux revenir avec le ballon qu'on t'avait donné en 2019 Oui, pas de problème. Donc c'est le même, je sais pas. Alors voilà, c'est un défilé de costumes et de coupes de cheveux, c'est Lionel Messi, c'est vraiment lui le champion, hein. Voilà, c'est génial, c'est le foot. Alors il y en a un qui a moins de chance, hein. C'est Neymar. Ah, Neymar, il n'était pas au Ballon d'Or parce qu'il s'est encore foulé la cheville. Il ne reviendra pas sur les plateaux, sur les terrains, avant 2022. Eh ouais, Neymar, il rentre sur le terrain, il sort.
C'est sa vie. Je connais pas beaucoup le foot, mais je sais que Neymar, il passe son temps enroulé par terre à faire cette tête-là. Aïe! Ah mais putain, ma cheville! C'est un sport difficile. Donc voilà. Les mecs sont payés des millions pour faire ça, quoi. C'est... Aïe! Poum! 5 millions qui tombent. Aïe! Aïe! Rien. Même pas un abonnement, rien. C'est lamentable. Allez, on passe à Libération. Libération qui nous parle de la justice grand corps malade. Alors, rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est effectivement une administration qui s'occupe de l'humain où on traite les gens comme de la merde. Ça s'appelle. Ah non, c'est pas la santé, c'est la justice. C'est pareil, les magistrats en ont ras-le-bol des injonctions contradictoires. On leur demande de faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, avec moins. Des burn-out en cascade, une souffrance au travail terrible. Le fait que l'institution judiciaire ne peut plus faire son travail. Un ministre, évidemment, mis en examen, mais ça, on n'est plus à ça près. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Et oui, si t'es pas mis en examen, t'es pas champion. Et donc, voilà, dans Libé, plusieurs témoignages de magistrats qui expliquent leur malaise devant ce qui semble être à peu près le même scénario hein, que pour la santé, c'est-à-dire le saccage d'un service public essentiel qui s'occupe de l'humain. Voilà, parmi les professionnels interrogés par Libé, chacun a un amour démesuré de son métier et en même temps une histoire de souffrance à raconter. Cette jeune juge qui pleure dans sa voiture sur le chemin du tribunal, cet autre qui hésite deux fois avant d'aller chez le médecin parce qu'il y risque qu'il m'arrête. Ensuite, récupérer 35 dossiers en attente de rédaction parce qu'elle ne sera pas en capacité de rattraper le retard. Cette magistrate immobilisée après une mauvaise chute dont l'époux est allé récupérer sur une aire d'autoroute une pile de dossiers transmis par sa hiérarchie pour rédiger les jugements. Les Français sollicitent de plus en plus la justice, en fait. Et pourtant, la justice est critiquée, elle a bien du mal à s'organiser. Donc l'arbitrage entre les critères de temps, de coût et de qualité, la rationalisation, le néo-management public fait que ce service public essentiel est dans le même état que l'hôpital, en état de délabrement avancé. Et donc, comment faire du sur-mesure avec des contentieux de masse? Comment se mobiliser quand on a un manque de moyens, de personnel récurrent? Comment faire quand finalement le taux de vacance d'emploi des magistrats est désormais inférieur à 1% et celui des greffiers s'élève toujours à presque 7%, 670 emplois manquants. Si les greffiers ne sont pas là pour envoyer des convocations, eh bien le magistrat doit s'en charger en plus. Donc on est vraiment dans une charge de travail qui fait que ça ne peut pas fonctionner exactement comme pour la santé. Alors c'est la justice, hein, peut-être ça se voit moins. N'empêche, il y a un vrai problème de fond dans ce pays, c'est que les gens au pouvoir, depuis des années, ont tout fait pour dilapider l'État, pour faire moins, faut moins d'emplois publics. Hein. Vous allez voir, c'est comme dit Xavier Bertrand, moins de fonctionnaires hein, pour rembourser la dette. Moins de fonctionnaires, ça veut dire moins d'État, ça veut dire, voilà, on en est là, quoi. Alors, un article ensuite dans Libé sur les FARC. Alors, les FARC, c'était, vous savez, en Colombie, c'est guérilleros. Qui luttaient pour un monde meilleur et qui se disent quand même ah, j'ai réussi à le bouger. Ils ont déposé les armes en 2016 et depuis, c'est la lutte de tous contre tous. La guérilla, c'était une organisation militaire et une fois qu'on en sort, l'esprit collectif se perd parce qu'il faut lutter tout à coup pour sa propre subsistance et les FARC ont le blues. Alors ils ont une aide hein, d'État, ils ont été achetés pour environ 200 dollars chacun dans un pays où il n'y a pas d'aide d'État puisque c'est le néolibéralisme qui va jusqu'au bout de la logique, hein, c'est-à-dire rien, démerde-toi, ferme ta gueule. Et eux qui avaient connu la camaraderie, celle du combat populaire, celle du combat politique, se retrouvent isolés, déprimés. Certains ont quand même remonté des projets de coopérative pour rester dans un esprit de collégialité. D'autres, par contre, se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie. Et je trouve que c'est assez parlant, en fait, de ce qui se passe, qui est encore plus caricatural avec le Covid, c'est-à-dire cette explosion des solidarités. Alors, les FARC, c'est particulier. Les guérilleros, tu as là quand même une organisation militaire, paramilitaire, de combat, etc. Mais même nous, dans nos sociétés, ce qui restait
de la camaraderie, de la famille. Tout ça est attaqué, hein, puisque les enfants maintenant sont des dangers pour les grands-parents, puisqu'il faut travailler à distance aussi, donc même ce qui est de la solidarité entre collègues va se rendre difficile par le télétravail. Tout est fait pour que la solitude s'empare de l'être humain, et cette solitude qui amène la peur finalement de se dire mais sur qui je peux compter? Alors voilà, j'espère que vous avez bien sûr des trésors de solidarité, d'humanité, de sororité, de fraternité autour de vous. J'espère aussi que cette revue de presse, eh ben, elle est là pour tisser, mine de rien, de manière virtuelle, mais quand même ce sentiment aussi qu'on n'est pas seul et qu'on ne sera jamais seul. Voilà, donc on n'est pas des FARC, évidemment. Nous, on a des fourches pour biner des patates, des élastiques à chibre. Bon, ça va pas très loin, et heureusement d'ailleurs. Mais n'empêche, voilà, cette solidarité, cette chaîne humaine, elle est extrêmement importante et il faut pas la perdre de vue, surtout par les temps qui courent. Voilà. Alors. Ah, puis alors, c'est Libé qui parle aussi du Omicron. Hein. Omicron, qu'est-ce qu'il est chier? Qu'est-ce qui nous fait chier? Alors, est-ce que je vais pouvoir le bouger celui-là? Non, je peux pas le bouger. Ah, bah bravo. Attends, alors, je vais essayer un truc quand même. Il se peut que ce soit tragique ce qui va se passer. Peut-être je vais bloquer la caméra. Non, on dirait pas. Non, ça marche pas. Entre précipitation et précaution, bien sûr, on parle du variant Omicron. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? On en parlait tout à l'heure. Bon, franchement, ras-le-bol. Donc là, voilà, il ne sait plus trop quoi faire. Hein. Solidarité avec l'Afrique du Sud, le vaccin, prévention utile en période de flou. Hein. Et là, un mec te dit quand même qu'en Europe, les couvertures vaccinales sont importantes, contrairement à l'Afrique du Sud, 24% hein, qui sont vaccinés. Et donc, une fois Delta régulé, qu'en sera-t-il d'Omicron dans une population qui sera largement immunisée? Interroge le professeur Fontanet. Alors lui, je ne sais pas où il est, Fontanet, ça doit être un immunologiste de foire aussi. Et donc il nous dit, alors lequel, hein, n'a aujourd'hui qu'une certitude, Fontanet. Voilà. L'enjeu est bien la vaccination de toute la planète. Il va falloir s'y atteler de façon extrêmement sérieuse si on veut sortir de cette crise. Donc voilà, monopensée. Hein. Voilà, il faut vacciner avec ce truc qui marche presque, hein, puisque je rappelle ce rugbyman double vacciné, père d'un jeune enfant qui est mort du Covid à l'hôpital, ça ne protège pas non plus vraiment des formes graves, mais c'est pas grave, il faut vacciner toute la planète avec ce truc. Pourquoi, monsieur Fontanet? Pourquoi? Parce que faut aller vite, voilà, c'est la vaccination de toute la planète, parce qu'il faut sortir de cette crise. Ouais. Ben oui, avant de. En fait, la dystopie commence en 2000. Je pense que les tours jumelles, c'est le début, en fait. Puis ensuite, l'invasion de l'Irak, la guerre en Irak, qui n'avait aucune raison d'être. Et à partir de là, l'acceptation par le monde qu'on vivait finalement dans un sketch morbide, avec beaucoup de morts, avec des gens qui étaient là pour se faire beaucoup d'argent. Voilà. Le matin. Et donc, on se retrouve. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et puis après tout, voilà, on se retrouve quand même tous les matins pour cette revue de presse. Et on est de plus en plus nombreux, puisque vous êtes plus de 750, je crois, aujourd'hui. Donc, je vous remercie vraiment. Merci du fond du cœur, comme on dit en ce moment. On dit du fond du cœur. J'écoute mon cœur. C'est le site de Pfizer pour être sûr que vous n'avez pas de fibrillation atriale, qui serait quand même grave parce que ça peut faire des AVC. Donc écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, hein, et donnez au monde moderne. Venez. C'est le mendiant de l'amour ici. Il y a le Patreon. Il y a ici, vous pouvez vous abonner avec Prime. Vous pouvez, bien sûr, surtout. Parler de cette revue de presse autour de vous, c'est le plus important en fait, qu'on ait de l'audience. Voilà, qu'on puisse. En parler et utiliser ce média, ce petit média, pour se marrer de cette campagne présidentielle qui va encore être une tannée, je vous le cache pas. Hein, la déclaration de Zemmour à midi, là, ça va être. Va falloir que je m'en occupe. Puis le congrès LR ce soir, enfin là, j'ai une grosse semaine. Hein, donc voilà. Mais c'est une petite bouffée d'oxygène, quand même, cette revue de presse tous les matins. Merci, mesdames, messieurs, dames. Ballon d'or. Merci. J'ai pas de boule à neige, là, je suis chez mes parents, mais si j'avais. T'es en pyjama sous la veste de costard. Ouais, ça y est, ils ont compris. Ben oui, je me lève tôt pour lire la presse. Et puis à 9h, vous voyez pas tout le travail qui est en amont, quoi. Et ben, parfois, j'ai pas le temps, hein, de me laver, d'enfiler une chemise, je le fais après.
Voilà, c'est comme ça, c'est un sacerdoce. Le jacuzzi, c'est bien à 1000, absolument. À 1000 tous les jours pendant une semaine, attention. C'est pas non plus à 1000 une fois. Donc oui, le jacuzzi avec Antoine. Voilà. Et non, je suis pas en caleçon, je suis en jean quand même. Non, non, j'ai un respect pour qui vous êtes et je ne me présenterai pas en caleçon comme ça pour la revue de presse. Voilà, revue de Bresse. Un calva pour la 12, s'il te plaît, Michel. Voilà, allez, on passe à autre chose. Café calva. On va parler maintenant. Ouh là là, vous n'êtes pas prêts. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, c'est pas l'ombre d'Emmanuel Macron, mais si, c'est son ombre, c'est Alexis Colère. Alors, il a le même prénom que moi, hein, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. C'est l'homme du président. Il fait tout, qu'est-ce qu'il lui demande? C'est son homme de main. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez vu cette série House of Cards, Doug, qui est le tueur à gages hein, du président. Bah, c'est un peu lui, c'est le Doug de Macron, quoi. Alors, il l'accompagne hein, depuis Bercy. Énarque, ESSEC, Sciences Po, il est plein d'affaires au cul, de MSC jusque à General Electric Alstom, en passant par Veolia, puisqu'il s'occupe en fait des fusions-acquisitions dans ce pays un peu, c'est lui qui décide de qui a le droit d'acheter un truc, qui va être à l'autorité de la concurrence. Voilà, c'est le tueur à gages un peu de Macron. Il se tait quand le président est là. Il n'est jamais dans les médias, il ne répond pas aux questions des journalistes, il est invisible, il vit à l'Élysée comme ça, dans une bulle. C'est le mandarin absolu. Il est l'alpha et l'oméga, l'omicron même de la Macronie, le très discret secrétaire général, deuxième cerveau du président. Et il est le dernier, en fait, du cercle qui était là au tout début, puisqu'il y avait, rappelez-vous, au début, autour du président, hein, ces jeunes, alors je sais plus, ils avaient un nom à la con, les Mormons. Je ne sais plus comment il s'appelait. Et donc, tu avais donc, Stéphane Séjourné, Ismaël Émélien, Sibeth Ndiaye, Philippe Grandjean, l'autre qui avait écrit le bouquin avec Émélien. Et donc, tous ceux-là sont partis, ils ont été exfiltrés. C'est le seul qui reste, c'est le pivot même. Même Brigitte dit ah bah, sans lui, hein, Manu, il ne serait pas pareil. Hein, on pourrait pas. Et il déteste la lumière, voilà. Et Nikos Aliagas avait fait une interview de Colère, qui lui avait expliqué de manière très tendue hein, tout ce qui se passait. Il lui avait dit, tu dors bien la nuit, comme ça. Et il n'avait pas su quoi répondre. Il avait été un peu déstabilisé. Puis après, il avait parlé de ses enfants et tout. C'était allé un peu mieux. Mais tu le sens quand même. Il aime pas que la presse s'intéresse à sa vie privée ou à ses affaires, à son cousin, à MSC. Ça le crispe énormément, raconte un proche. Ah oui, c'est crispant, hein, effectivement. Si on commence à lever des affaires, ça va être crispant. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, disait Sibeth Ndiaye. C'est le jeu, hein. Et Brigitte qui arrivait. Oh, hé, Sibeth, arrête de fumer, ça sent la cigarette ici. J'ai eu quand t'es obligé de dépenser 1 million pour refaire les tapisseries dans ton bureau. Oh, et puis les Français vont m'en vouloir après. Cette cour du roi, c'est dingue. C'est pas ça, la République, bordel. C'est pas ça. On a vraiment mais perdu le fil entre 89, 93, 48. Enfin, merde. La cinquième, c'est devenu n'importe quoi. Ça ressemble plus à rien. Voilà, c'est très simple, ça ne ressemble plus à rien. Voilà. Le secrétaire général en conflit d'intérêts, Alstom, GE, Suez-Veolia, bien sûr, tous les grands dossiers. Je vous invite à regarder l'enquête de Blast à ce sujet sur Alexis Kohler. Elle est extrêmement documentée. Vous aurez tout en vidéo, c'est sur YouTube. Et vous comprendrez rapidement le problème de l'État actionnaire, mais de l'État aussi quand il est aux mains d'affairistes, comme c'est le cas actuellement avec la Macronie. Voilà, Martin Bouygues, par exemple, hein, qui a pu faire le rachat actuel de alors je sais plus quelle boîte il a voulu racheter, en disant voilà qu'il allait employer 10 000 personnes, etc. Le favoritisme élyséen, la grande opération de ces derniers mois qui a mobilisé Alexis Kohler, demeure la prise de contrôle de Suez, bien sûr, sur Veolia. Plusieurs mois entre août 2020 et avril 2021, Suez a essayé de résister par tous les moyens, mais Colère était derrière, bien sûr, pour pousser avec l'aval d'Emmanuel Macron, évidemment. Les dirigeants de Suez ont été reçus à l'Élysée
début octobre 2020 pour plaider leur cause, alors que l'affaire était lancée depuis le 31 juillet. Ce n'est pas faute d'avoir essayé en vain d'obtenir un rendez-vous plus tôt. En revanche, les cadres de Suez, on observe d'un air entendu le fait que dans son offensive, Veolia a été conseillée par un proche de Macron et Colère, Ismaël Émilien. Voilà, qui était conseiller spécial à l'Élysée jusqu'à 2009, date où il était exfiltré après son bouquin, c'était l'affaire Benalla, tout ça, ça avait fait du mal. Ça avait fait du mal à cette première garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Voilà, trafic d'influence, évidemment, parquet. Le parquet financier s'en occupe. Je vous invite à voir l'enquête de Blas sur Monsieur Alexis Kohler. C'est édifiant, c'est la République française, hein? C'est la France, monsieur. La France d'Emmanuel Macron. Voilà. Et puis, cette petite photo, je ne sais pas si vous la voyez, alors c'est Yannick Jadot et Mathieu Orphelin, et un hippopotame. Alors, je voulais partager cette photo parce qu'il y a un hippopotame. Elle est quand même dingue, cette photo. Parce que bon, les deux dans l'herbe, là, d'accord, ils sont verts, ils sont écolos, machin, mais qu'est-ce qu'il fout là, l'hippopotame? En plus, c'est super dangereux, un hippopotame. Alors, j'espère que c'est un hippopotame en plâtre, c'est un faux hippopotame, j'imagine. Il devait être, je sais pas où, quoi, mais parce que c'est l'animal qui tue le plus d'humains par an. C'est pas l'éléphant, c'est pas le lion, c'est pas le requin, c'est l'hippopotame. Eh oui, parce qu'on ne le voit pas forcément, parce qu'il court très vite, on a l'impression que c'est un peu patapouf et tout, mais quand il sort de l'eau, et c'est un des animaux les plus dangereux pour l'espèce humaine, quand on s'approche d'un cours d'eau. Et donc là, voilà, vous avez donc Yannick Jadot, Mathieu Orphelin, et un hippopotame. Et alors Mathieu Orphelin, vous savez, l'histoire, c'est qu'il a été donc exfiltré de la campagne, il était porte-parole officiel, hein, de la campagne de Jadot. Et puis l'affaire Hulot, voilà, queue de baleine, comme on l'appelle dans le milieu, est arrivée par là. Et résultat, ils ont dit, écoute, Mathieu, on voulait une excuse pour te virer, comme t'es macroniste, et que bon, alors, c'est le problème de ELV, hein. C'est que d'un côté, t'as Sandrine Rousseau, que j'aime bien, je la trouve marrante parce que elle sort des trucs, tu vois, l'écoféminisme, machin, elle fait chier tout le monde. Et voilà, et oui, et c'est ça, monsieur, et c'est ça l'écologie, et oui. Et puis de l'autre côté, tu as toute la branche élevée qui est en fait l'antichambre du macronisme, quoi. C'est-à-dire les mecs, ils attendent en fait d'être appelés pour être ministre. Ils disent, oui, allô? On m'a appelé, ça y est, je vais pouvoir être ministre de l'écologie. Je vais pouvoir revenir sur tout ce que j'avais promis quand j'étais candidat. Donc c'est un peu le problème, hein, de LV, c'est ce côté, ils savent pas où ils habitent, quoi, entre voilà. Et donc Orphelin, lui, avait fait le chemin inverse, hein, macroniste revenu finalement à la maison commune de l'écologie. Et puis là ils ont dit, écoute Mathieu, tu sens quand même le sous-marin. Déjà qu'on a déjà cette image de macroniste qui nous colle comme François de Rugy à un rocher, à un homard. Donc du coup non. Tu t'en vas. Oui, l'animal qui tue le plus, évidemment, le prédateur numéro un, le plus dangereux, c'est l'homme. Évidemment, surtout avec un fusil. Surtout après le petit calvas, après, quand on va à la chasse, que on est bien comme ça. C'est pas évident. Hein. Non, ça n'existe pas. Non, les chasseurs sont des gens responsables, amoureux de la nature. Je dis n'importe quoi. D'ailleurs, Willy Schren, le patron des chasseurs français, se verrait bien ministre. C'était un indiscret du JDD, je crois. Et il mise sur Macron pour ça. Voilà, donc vous êtes au courant. Je veux pas dire de mal, mais les parents, oui, je suis bien mieux chez mes parents en termes de débit Internet. Ça m'énerve tellement chez moi de ne pas avoir un accès digne de ce nom à l'Internet mondial. J'ai honte, hein, j'ai honte. Et c'est vrai que chez mes parents, c'est nickel. Voilà, c'est vraiment, voilà. C'est honteux, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, ma pauvre Lucette, comme dirait Cibette. C'est la revue de presse du Monde Moderne. Nous sommes le mardi 30 novembre 2021. Vous pouvez bien sûr vous abonner. Vous pouvez également partager, hein, le lien de cette revue de presse auprès de vos amis. Vous pouvez vous abonner sur Patreon également. Des mugs, des t-shirts, des sweats vous attendent. Des magnifiques cadeaux pour Noël. Chaque abonné également aura droit à son élastique à chibre, moyennant bien sûr une enveloppe et un timbre postal, les tarifs de la poste faisant foi, le cachet de la poste, pardon, faisant foi. Et c'est bien sûr vous qui faites le succès de cette revue de presse chaque matin en partageant le lien de cette revue de presse, en parlant au plus grand monde. Et je vois que les audiences, eh bien,
continue d'augmenter. C'est phénoménal, c'est fantastique. J'ai l'impression d'être un hippopotame qui baigne dans un marais joyeux. Enfin, c'est merveilleux. Donc, j'ai pas l'impression d'être un hippopotame. Je fais attention quand même à ma ligne. Faut pas déconner, quoi. Les fêtes arrivent. Ah, petite imitation de Sarko. Bah, écoutez, et pour une fois que Monsieur Sarkozy n'est pas dans la... On en parle tout à l'heure de Nicolas. Si vous restez, d'ailleurs, si vous aimez tant que ça, l'ancien président de la France, il est ce soir à la salle Gaveau et reste encore des places. Hein, c'est une conférence du Figaro, c'est pour parler de la culture française dans le monde. Je vous attends, nombreux. J'y lirai également quelques pages choisies du temps des tempêtes. Voilà. C'est qui? C'est mes étudiants qui demandent à ce que je fasse l'imitation de Sarko. C'est qui? Parce que j'ai certains de mes étudiants qui regardent cette revue de presse. Ils doivent se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce prof, quoi? Guadeloupe. Vous savez, en Guadeloupe, ils ont envoyé le cornu. En disant, tiens, vas-y, toi. Pourquoi? Bah, vas-y, c'est ton tour. Alors, encore une fois, désolé, j'ai pas réussi à gérer ce petit truc des images, là, ce matin. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup, le cornu est allé en Guadeloupe, il n'a rencontré ni syndicat ni élu, ça a duré 10 minutes, il s'est engueulé avec une passante qui a dit « qu'est-ce que tu fous là, et toi ? Et moi je suis une citoyenne et pas de seconde zone », elle a dit « ni toi-même », et il s'est barré. Un fiasco. Alors là, il est à la Martinique, après à la Guadeloupe. Entre-temps, il y a aussi la Barbade qui se barre, hein, qui dit « Allez, salut la reine, hein, de toute façon, elle va bientôt passer l'arme à gauche, donc nous, on se casse ». Il y a quand même un mouvement de décolonisation moderne, hein, qui se passe là-bas, dans ces îles lointaines qui se rattachent à des métropoles ou à des empires défaillants, qui est en train de se passer. Il y a bien sûr le 12 décembre, un référendum en Nouvelle-Calédonie également, l'autonomie, l'indépendance, des questions qui reviennent sur le devant de la scène, des questions importantes. Et puis le cornu, eh bien, je pense que là, il a vécu une séquence bizutage assez grave qui va lui coûter cher pour la suite de la campagne du meilleur président qu'on a en France, on a connu. C'est Emmanuel Macron. Et puis en une du Figaro, Joséphine Becker qui va être panthéonisée. Alors c'est la sixième femme seulement qui va avoir droit au Panthéon, ça fait pas beaucoup quand même, six femmes. Alors, elle est résistante, elle vient bien sûr de l'Amérique ségrégationniste, elle a été humaniste bien avant tout le monde, libre aussi, femme libre. Et c'est bien qu'elle aille au Panthéon, et le Figaro lui consacre un petit dossier itinéraire d'une Française libre. Je trouve ça plutôt pas mal, bravo le Figaro. Ça change, hein, que de parler du woke tout le temps, ça fait du bien. Xavier Bertrand est en interview dans le Figaro, mais bon, on s'en fout. Hein, sinon, allez, je déconne. Oh, bah, on va faire un peu d'interview Xavier Bertrand. Sinon, ils vont dire, oui, hier, il a lu Pécresse. Alors, pourquoi il lit pas c'est vraiment du favoritisme, tout ça. Bon. Alors, d'accord. OK, puisque vous voulez, d'accord. J'irai chercher la victoire sur une ligne claire de droite et républicaine. Le candidat LR au Congrès prône un changement radical de politique dès le lendemain de la présidentielle. Alors, bon, qu'est-ce qui peut convaincre les adhérents de voter pour vous? Je repose la question. Hein. Qu'est-ce qui peut convaincre les adhérents de voter pour vous? Alors, ma détermination à tourner la page du quinquennat raté d'Emmanuel Macron. Je m'y suis préparé, je suis prêt. Mon projet, sa clarté, sa force. Un projet issu de ma connaissance et de mon respect pour les Français. D'ailleurs, Xavier Bertrand disait, je connais les Français, je vis parmi eux, ou je vis avec eux. Enfin, un truc genre, t'as l'impression que le mec, c'est E.T., en fait. Il débarque, il dit, E.T., maison, et c'est quoi? Ah, vous mangez ça, vous? C'est étonnant. Ah oui. D'accord. Ah, c'est ça votre travail? Oh, c'est fatigant quand même. Oui. Non, mais j'aime pas le terme pénibilité, parce que ça, c'est Macron qui aimait pas ça, hein, qui avait flingué l'idée même de pénibilité au travail, parce que ça voudrait dire que le travail est pénible. Je vous invite d'ailleurs, à propos de la pénibilité au travail, à suivre le compte Twitter du Accident, qui recense les accidents du travail, un peu comme David Dufresne avait recensé les actes de mutilation et de violence policière. Il y en a plusieurs par jour. Des travailleurs qui meurent au travail ou qui sont gravement blessés. Parfois des apprentis de 15 ans, 16 ans,
Ce compte-là, les recenses, ça montre que le travail, c'est pénible, c'est dangereux et que c'est pas la santé. En tout cas, voilà, un projet issu de ma connaissance, de mon respect pour les Français, voilà, un projet de redressement, hein, pour redonner espoir et changer radicalement les choses. Alors, tout ce qui est en redonner, remontada, remachin, encore un re-re, quoi. Ce ne sont pas les sondages qui feront le vainqueur. Ce sera un projet répondant aux attentes d'ordre, d'autorité, de respect du travail, de justice et donnant toute place au territoire. Mais soyons clairs, hein, rien ne sera facile. Il faut aller chercher la victoire à la présidentielle. Je le ferai sur une ligne politique claire. Pardon, j'ai le nez qui me gratte. Excusez-moi. Je prends rien, hein. Aucune substance, si ce n'est du café. Et voilà, je le referai en rassemblant tous nos talents. Nous montrerons aux Français qu'il y a une alternative au second tour Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour, dont ils ne veulent en aucun cas. Bon, alors après, il y a plein de questions. Comment faire pour que le travail paie davantage? Bon, alors, la valeur essentielle, la clé du redressement du pays, c'est le travail. Il faut rappeler que François Fillon vient d'être condamné en appel, enfin au moins la réquisitoire, hein, à 3 ans de prison, dont un avec sursis, enfin un ferme, pardon, 360 pour travail fictif. Hein. Mais bon, la valeur essentielle, c'est le travail. Pas fictif, hein. Pas déconner non plus. Donc il veut compenser les charges salariales, il veut machin, les 1 500 euros par mois, la grande conférence sociale pour sortir des 35 heures, l'égalité homme-femme, la participation, les salaires, les déroulements de carrière. Bref, il veut relancer le pays. Hein, il faut qu'on travaille plus et que le travail paye. Hey. Je croyais qu'on n'avait jamais autant bossé. C'était un article du Parisien hier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille plus encore? C'est vraiment... Oh là là, c'est ce logiciel-là qui n'en finit pas de ne pas en finir. C'est quand même... C'est étouffant, quoi. Voilà. Les marges de manœuvre pour l'endettement, la question du nucléaire... Bon, lui, il lance immédiatement la construction de 10 EPR hein, pour garder notre souveraineté nationale et garantir l'approvisionnement. Hein, sous le contrôle de l'autorité de santé du nucléaire, il veut prolonger la durée d'activité des centrales existantes. Et puis, il suspendra les éoliennes. Hein. Fini les éoliennes, par contre, des EPR partout. Alors, l'EPR, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est pas un truc qui marche super, mais c'est pas grave, lui, il veut y aller. C'est à fond l'EPR. Voilà, merci Xavier. Donc voilà, c'est ce soir. Hein. C'est donc après l'allocution de Zemmour sur TF1 pour dire qu'il est candidat, vous aurez le débat sur France 2 des candidats de la droite. Et si ça vous ne suffit pas, vous pouvez vous replonger dans les discours de Jacques Chirac au RPR, hein, puisque tout y était déjà écrit en noir sur blanc. Et ben voilà. Le PR chinois, ouais, une belle blague, tu m'étonnes. Les Chinois, ils sont déjà sur une autre technologie. Hein. La France et Israël veulent mettre fin à leur brouille. Ah bon, on était brouillés. Oui. On était un peu brouillés parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait Pegasus, qui était un petit logiciel espion, hein, et Macron avait été écouté. Alors c'était la faute du roi du Maroc, soi-disant. Donc on était un peu fâchés, en disant, non, ton truc là, je peux pas passer un coup de fil à Brigitte sans que vous écoutez tout, c'est quand même tout pété. Donc ça va pas. Donc on s'est mis d'accord. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui a joué dans la balance, c'est que la France voulait acheter Pegasus. Voilà. Bon, je dis ça, mais je sais pas. Pourquoi? Bah pour écouter les gens, tiens. Eh oui, parce que ça permet d'écouter les gens. Alors depuis, la firme NSO a mis en liste rouge tous les numéros commençant par plus 33, ils ne peuvent pas les écouter. On est 47 pays à avoir ce petit droit-là hein, pour dire on est copains. Ouais, on est copains, ouais. Enfin, on fait semblant parce que si on veut, on enlève le petit truc et puis on vous écoute quand même. Voilà. Allô? Allô, ouais. Oui? Comment ça, Emmanuel Macron? Quoi? Il a Omicron? Il a le Covid, mais il a fait sa troisième dose ce week-end avec Brigitte qui a fait son vaccin pour la grippe. Mais enfin, mais oui, d'accord. De la salade, des tomates, d'accord. Et puis il nous reste des oignons, bah, ok. Et des mouchoirs, mais des mouchoirs. Pas de problème, bah, j'y vais tout à l'heure. Bisous. Voilà, t'as Pegasus qui est là pour écouter ta liste de courses, quoi. Alors oui, mais peut-être que salade est un nom de code pour autre chose. Hein, les FARC, hein. Les fourches, ouais, 2 kilos d'élastique à chibre. Bon, alors, d'ailleurs, la transition est là, c'est terrible. Les enfants face à une alarmante porno-pandémie. C'est le dossier du jour dans le Figaro et ça fait froid dans le dos. Alors,
Monde Moderne, on avait interviewé Nikita Bellucci, qui est une amie, actrice porno, qui travaille pour que l'industrie soit propre, puisqu'il y a des violeurs dans l'industrie, il y a beaucoup de choses. Et elle avait été scandalisée, choquée, parce qu'elle recevait beaucoup de messages de gamins de 11 ans, 12 ans, 10 ans, qui lui envoyaient des dick pics et des photos de leur partie génitale. Et elle en avait ras-le-bol. Et elle a dit à un moment, écoutez, c'est aux parents aussi, à un moment, d'empêcher que les enfants aient accès à ces contenus-là. Donc elle publie en disant, mais non, tes parents vont être contents de savoir que tu m'envoyais ça. Alors c'est des procédés chocs, mais qui permettaient de faire prendre conscience au danger, à la dérive, parce que l'idiocratie, elle est là. C'est-à-dire qu'on a des gamins de 10 ans qui, grâce à leur téléphone portable, encore une fois, alors il y a le QR code dessus et tout, mais il y a aussi Pornhub, il y a aussi tous les sites de porn où il suffit de dire, oui, je suis majeur, et d'y avoir accès. Ce qui fait qu'il y a une éducation sexuelle complètement pétée, où tu te retrouves avec des enfants qui ont des mots qui ne sont pas de leur âge, qui ne comprennent pas, qui demandent à leur petite camarade d'envoyer des nudes. Par exemple, un garçon de 13 ans qui demandait ça, ou qui dit « ça te dit de baiser avec un mec de 12 ans, petite chaudasse ?» lui demandait un autre. Donc on est vraiment là dans un truc extrêmement grave où l'État ne va pas pouvoir tout. C'est-à-dire que c'est techniquement difficile, sans imposer une censure, de rendre les sites uniquement consultables par des majeurs. Donc c'est aux parents d'installer des logiciels filtrants, d'empêcher les enfants d'avoir accès à ces contenus, sachant que ça peut aller très loin. Là, il y a un pédopsychiatre qui parle d'une fille de 8 ans qui tombe sur ces sites-là, il y a un choc post-traumatique, c'est-à-dire qu'elle se retrouve prise avec ces images, elle voudrait ne plus les avoir en tête, en plus le corps ne comprend pas ce qui se passe, et donc il dit il y a un vrai problème, il faut retarder à la fois l'équipement smartphone des enfants, et puis ensuite il faut contrôler ce qu'il y a sur ces smartphones. Et ça c'est le rôle des parents, c'est le rôle des parents. Donc il faut, voilà, puisque techniquement aujourd'hui, malgré l'obligation légale, on ne peut pas vérifier l'âge des consommateurs. Donc c'est aux parents de s'assurer que les enfants ne tombent pas dans ce piège extrêmement dangereux qui est un vrai risque pour la construction mentale des enfants du porno. Voilà. Et puis il y a pire que ça, il y a ensuite des sites de rencontres pour ados. Alors ça, je ne savais pas que ça existait, qui sont évidemment des terrains de chasse de pédocriminels. Donc vous avez par exemple rencontreado.com, ouvert aux internautes âgés de 13 à 25 ans. Évidemment, Kevin n'a pas 25 ans, il a 38 ans, c'est un informaticien et c'est un pédocriminel. Alors, le mec qui a fait le site avait 16 ans quand il l'a lancé, il en a aujourd'hui 31. Pour être modérateur du site, on demande une lettre de motivation, mais c'est pénible comme tâche, je comprends même pas pourquoi les gens le font. Chaque mois, il gagne 2000 euros de recettes publicitaires, insuffisant pour engager des modérateurs à plein temps. Disons que ça rajoute du beurre dans les épinards, comme Thomas Mester, c'est le mec qui a fait ce site Rencontre Ado, et il explique, alors il y a des systèmes pour découvrir et bannir les pédophiles, mais ils reviennent avec des pseudos, en fait il n'y a rien qui est fait. Et Maître Laurent Bayot, avocat au barreau de Paris, rappelle, et c'est important de le rappeler, que la corruption de mineurs via Internet est passible de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Donc, rien que discuter avec des ados de 13 ans pour leur parler de choses sexuelles s'appelle corruption de mineurs, et donc c'est passible de 100 000 euros d'amende et de 7 ans d'emprisonnement. Et dit, le simple fait d'envoyer des messages en cherchant à pervertir la sexualité d'un mineur est un délit. Si on affichait ce type d'informations sur ces sites, les personnes ne pourraient pas se dédouaner de leurs actes et les victimes seraient au courant de leurs droits. Alors, vous avez Jean-Luc Lahaye qui est en taule pour ces faits-là, qui en est sorti d'ailleurs, et pourtant, c'est bien. Voilà ce que prévoit la loi, elle n'est pas appliquée évidemment, et ça va très loin. Et donc, les magistrats pour mineurs sont extrêmement inquiets, puisque les parents ont laissé leurs enfants accéder aux tablettes, téléphones, et donc les mineurs sont extrêmement exposés, je le disais, c'est le rôle des parents de s'assurer qu'il n'y a pas de ce genre de contenu qui traîne sur les téléphones, les tablettes de leurs bambins. Parce que aujourd'hui, techniquement et légalement, c'est inapplicable et on ne veut pas non plus rentrer dans une société de la censure. Voilà, donc extrêmement bon dossier dans le Figaro sur cette porno-pandémie qu'il faut battre, non pas avec seulement la loi, mais aussi avec la responsabilité des parents. Bordel. Ensuite, session extraordinaire à l'OMS pour négocier un futur traité sur les pandémies. Alors là, on est bien. Alors là, tu sais déjà d'emblée
que ça va être tout pété, hein, puisque l'OMS ne sait pas trop comment faire. J'essaie de faire ce que je peux avec mes petites images. Vraiment, c'est la loose aujourd'hui. Voilà. Alors, les États-Unis sont pas trop pour. Parce qu'on dit, non, mais ça va être contraignant ton truc. Puis on n'a pas envie. Nous, ce qu'on aime, c'est contraindre les autres. Hein, à coup de bombes ou à coup de petites pressions comme ça. Donc là, l'OMS se dit, et si on faisait un gouvernement mondial de la santé pour faire un truc mondial de la santé. Et là, est-ce qu'on a besoin de péter un câble à ce niveau-là, en fait, tu vois? Puisque le futur traité sur les pandémies, c'est l'assurance que on va tomber dans un truc dystopique encore pire que ce qu'on vit aujourd'hui, hein, qui est quand même basse intensité. Hein. Tu regardes la courbe de mortalité, elle n'a pas non plus fait un saut énorme. Hein. Donc on a une grippe musclée qu'est le Covid, hein, qui est un truc nouveau. On ne sait toujours pas d'où ça vient d'ailleurs. Hein. Salut, Dr Fauci, si tu nous écoutes. Xi Jinping, si tu nous écoutes. Jean-Pierre Raffarin, si tu nous écoutes aussi. Enfin bref, voilà, et là on se retrouve avec l'OMS qui est en train de se dire non mais ce serait bien si on faisait un gros traité pour être tous dans le même niveau de folie. Non, pas envie moi. Et donc je vous en parlais tout à l'heure, je sais que vous venez souvent hein, dans cette revue de presse pour avoir accès à une information de qualité évidemment, hein, une parole de confiance également, une parole d'amitié, une parole d'ailleurs qui se fait rare aujourd'hui. Eh bien, ce soir, en personne, vous pourrez rencontrer Nicolas Sarkozy à la salle Gaveau. Ah ouais, pour le tarif modique de 25 €, hein, pour parler, bien sûr, de la culture. Alors, c'est triste parce que ça veut dire que la salle n'est pas pleine. Il y a encore des pubs dans le Figaro aujourd'hui. Ça veut dire qu'il reste des places. Alors, peut-être que les mecs mettent de côté pour la croisière du Figaro. J'en parlais hier. Ils disent, non, mais 25 €, oui, mais... on ne pourra pas aller faire la croisière de la rédaction du Figaro, on ne peut pas tout faire. Ou alors, ça y est, c'est déjà le désamour. Et pourtant, non, parce que je le sens, l'amour des Français. Et il est vraiment présent. C'est un cœur battant. Donc voilà, non, mais c'est le Figaro qui parle. Et puis regardez ce magnifique champ de blé. Bon, alors c'est magnifique, certes, mais quoi bien, en réalité, c'est la pénurie. Ça y est, on va avoir droit peut-être à des émeutes de la faim. Alors, il faut savoir que c'est les mauvaises récoltes hein, qui ont été à l'origine de 1789. Et bien là, dans le Figaro, on apprend que les récoltes de blé ont été catastrophiques. Ça risque... Alors, attendez. Faut que je trouve ça, mon Dieu... Où est-ce que c'est ? Ah voilà. Les prix du blé flambent. Aléas climatiques, bien sûr, qui ont pesé sur les récoltes. Demande en Chine, qui augmente comme jamais. Des effets en cascade. Des pays riches aux régions les plus pauvres. Et c'est bien le risque. Il faut voir que le cours du blé est un record historique. Le prix en euros a dépassé les 300 € la tonne. On était en juillet 2019 à environ 180 € la tonne. Donc, les premiers producteurs du commerce de blé, c'est la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis et la France. Nous sommes quatrième. Et puis, les premiers exportateurs, c'est la Russie, les États-Unis, le Canada et la France également. Nous sommes exportateurs. Et puis, les premiers importateurs, Indonésie, Égypte, Turquie, Italie, Philippines, Brésil. Donc, on est pas mal, la France. On a quand même une arme verte assez impressionnante. Le blé... on s'en rend pas compte, mais c'est un outil aussi dans le jeu géopolitique, évidemment. Et quand le prix dépasse les 300 €, c'est du jamais vu depuis 10 ans, et on ne sait pas ce qui va se passer. Si cet emballement dure, le niveau d'emballement de mise en culture des céréales est correct, mais on ne connaît pas la météo des prochains mois. Donc les stocks sont deux fois plus importants qu'il y a 10 ans. Donc, il n'y aura pas forcément de famine. Par contre, les prix peuvent exploser. Et puis, il y a des risques sociaux, puisque chez les importateurs, la capacité à encaisser la hausse des prix va varier. L'Algérie, qui importe 65% de sa consommation, l'Iran peuvent compenser les prix élevés grâce à un cours du pétrole réparti. Mais pour ce qui est d'autres pays, ça va être plus difficile. La nourriture de base d'une partie de l'humanité est menacée. L'instabilité alimentaire dans les pays les plus dépendants des importations s'annonce d'autant plus importante que les huiles végétales flambent également.
Donc on va se retrouver, c'est magnifique le capitalisme, ça permet quand même de ne résorber aucun. Alors, tu sais, les capitalistes convaincus te disent, ouais, mais grâce au capitalisme, on est en meilleure santé, il n'y a plus de famine, etc. Pardon? On a une pandémie, il y a des famines pires qu'avant, les cours du blé explosent, ça a résolu quoi comme problème, ton truc? Ah si, on vend plus d'armes. On a des logiciels espions, on a des centimilliardaires qui vont dans l'espace maintenant, qui disent que Mars est un plan B, nécessaire peut-être si on veut se protéger. Oui, mais tu as des pays où tu ne peux pas faire ton potager, et puis plein de gens ne peuvent pas faire leur potager. C'est un luxe quasiment le potager aujourd'hui. En tout cas, voilà où on en est. C'est quand même un tableau assez inquiétant de l'état du monde. Et puis, autre problème, les courbes démographiques. Eh oui. Et la France va être un pays d'ultra-vieux d'ici quelques années. La population française va culminer en 2044, puis décliner ensuite. Ça, c'est l'INSEE. Alors, il va y avoir bien sûr un problème. Comment on va payer les retraites? On va supprimer les retraites. Bah oui, c'est malin. On ne peut pas tout payer tout le monde. Hein. Donc voilà les pensions. Le Conseil d'orientation des retraites vient de présenter des projections plus dégradées. Alors, ce n'est pas le Figaro, c'est dans les Échos. Donc voilà, vous êtes au courant. Le plan, c'est de foutre à la poubelle le système par répartition. On ne pourra plus hein, payer pour les vieux. Il y aura que des vieux, trop de vieux. Alors même si, bon, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une future pandémie. C'est compliqué tout ça. Mais là, bon, bah, comme on vaccine tout le monde pour les garder en vie aussi, hein, les plus fragiles. Et tant mieux qu'on prenne soin des plus fragiles. Le problème, c'est comment on organise une société de la solidarité quand on ne veut pas payer ou quand on ne veut pas faire payer. L'argent, il n'y en a jamais autant. La productivité, il n'y en a jamais autant. Donc, il suffirait simplement d'aller chercher la thune. Et on en pourrait arrêter de travailler tous à 60 ans. Aucun problème. C'est d'ailleurs la promesse chinoise qui risque d'être trahie en ce moment, puisqu'en Chine, la retraite est à 60 ans, même 55 ans pour les ouvrières. Et c'est aussi un pays extrêmement vieillissant. Et gérer ce tournant du vieillissement, eux aussi parlent d'allongement de la durée du travail. Or, la promesse du progrès communiste, c'était bien sûr la société sociale, hein, c'était le fait de pouvoir prendre un repos bien mérité après avoir charbonné toute sa vie pour l'État et le Parti communiste. En France, on n'a pas ça. Et on est en train de parler de retraite par, bien sûr, capitalisation, c'est-à-dire c'est à vous de vous payer vos vieux jours, puisque nous ne pourrons plus assurer le système de solidarité. Issu du Conseil national de la Résistance, bien entendu. Comme le disait d'ailleurs Roussel, hein, avoir une carte de la Sécu dans vos poches, c'est avoir une carte du PC. Eh bien non, Ambroise Croizat, communiste historique, bien sûr, avait bien sûr dit que ce système de santé, ce système mis en place de solidarité au sortir de la guerre, n'était pas partisan. Voilà. En tout cas, c'était un voilà, petit snapshot, peut-être un jour dans le futur. Des ethnographes, des sociologues, des historiens tomberont sur des serveurs où ces streams auront été conservés et se diront, mon Dieu, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et combien ils étaient à regarder? Plus de 700 ce matin. Vous avez été extrêmement nombreux ce matin encore. Je vous remercie. À tous les nouveaux abonnés, vous pouvez nous suivre ici, bien sûr, sur les réseaux du monde moderne, partager cette vidéo. Et également vous abonner sur Patreon si cette revue de presse vous plaît, ainsi que nos podcasts, La Grosse Sélection et plein d'autres. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis peut-être à demain. Je ne sais pas si c'est moi demain ou Antoine. Je vais voir avec lui. En tout cas, c'est la revue de presse du monde moderne, tous les jours à 9h ou presque, pour parler du monde tel qu'il va mal, tel qu'il va bien aussi. Et vous pouvez dépenser vos points de chaîne absolument pour offrir des abonnements, pour acheter des émoticônes, plein de choses en tout cas. À 700, vous n'aurez rien, il faut les 1000 toute la semaine. Et puis de toute façon, c'est un plaisir, vous ne faites pas ça pour qu'on tape les scores. Mais, comme je vous le disais, l'audience est la clé pour y voir un peu plus clair dans ce monde d'obscurité. Allez, bonne journée, bon courage, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et à demain, ciao!